Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance et on est avec le capitaine de la garde et on va J'aimerais m'entraîner, s'exercer. mais je veux un vrai combat avec de vraies armes. C'est un brin prétentieux, non? Mais c'est entendu. J'aime les hommes qui ont de l'entrain. Jamais vous ne progresserez autant avec une épée en bois qu'avec une arme réelle. Les vieux maîtres épéistes disent toujours qu'un vrai disciple en arts martiaux doit être blessé au moins une fois. D'autres affirment qu'il faut voir la mort dans les yeux, mais c'est blasphématoire. Allez, battons-nous en duel. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous tuer. Sachez quand même que vous pourriez vous faire mal, et auquel cas ne comptez pas sur moi pour vous soigner. Vous devrez en assumer tout seul les conséquences. Quelle arme vous tente le plus? On va utiliser l'épée courte. J'aimerais essayer l'épée courte, comme un preux chevalier. Avec un Et bouclier, un ce qui est ma bouclier pour aller configuration clair. actuelle d'arme. Allez, attrapez votre arme et mettons-nous au travail. J'espère qu'il va me donner une arme que je peux Affirme. manier avec peu de force ou peu d'agilité parce que je suis pas très fort ou pas très agile. Hop, pas sur le côté. Ah, je peux feinter, mais. Alors, par contre, les étreintes, ouais. Racaille. Comment ça, racaille? Ça va, non? Ils ont oublié de changer les cinématiques. Là, je me bats pour de faux, mais il fait comme si j'étais en train de me battre avec les gardes. Et lorsqu'on se bat avec les gardes, ils peuvent nous dire racaille. Aïe! La question, c'est combien de temps je vais tenir avant de crever? Est-ce que j'ai des risques de saignement? Faudrait que j'achète du poison aussi pour mes armes. Ou du fléau, ce sera encore mieux. Aïe. Ah, j'ai réussi à me défendre juste à temps là. Ah, mais là j'ai paré, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Être plus fort que lui en défense? D'accord. Il nous laisse jamais le temps de faire des combos. Aïe. Ah bah c'est fini. Oh, dites-moi que je peux réparer mon armure. Rien du tout. Va falloir que j'aille voir l'armurier pour faire réparer mon armure. J'aurais peut-être dû m'entraîner à l'arc plus tôt. En jouant au jeu auquel j'ai joué avec le seigneur Hans Capon. J'aurais pu perdre que 10 ducats alors que là, je pense que la réparation va me coûter cher. On va voir ça. Allez, parle-moi, c'est pas grave si tes vêtements sont pas totalement chargés. Portez-vous bien. Ah, c'est pas ça que je devais faire. Parlez. Réparation. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Ça, il veut bien me le réparer pour presque rien. On va pas faire réparer les gants. On va dire que les gants en cuir, j'en trouverai sur des bandits.
Ah ouais, j'ai ma mission B là-haut, mais je l'aurai pas avant longtemps, tant qu'on m'ouvre pas la porte. Chasser du lièvre, faudrait que je le fasse. Ah, faut pas que j'oublie ça. Et les sauts, on les fera un peu plus tard parce qu'il y a une autre quête qui va avec. J'ai des pâtisseries tout juste sorties du four. Venez en acheter. C'est la quête l'épée de la reine Saba. Et un des personnages a récupéré un des morceaux d'épée. Et si on ne déclenche pas l'épée de la reine Saba avant, on ne peut pas la terminer parce qu'il ne veut jamais nous donner le morceau. Et il ne le possède pas sur lui. J'ai déjà essayé de l'assommer, tout ça, dans la partie précédente. Donc si je veux cette fameuse épée, on fera ça. Là, on va aller s'amuser au bain avec notre ami Hanscapon. Et je compte sur cette période pour m'être utile. Vous verrez comment. Dans le futur, parce que je vais récupérer des trucs bien utiles, vous verrez. Alors, vois-tu, propriétaire des bains, je suis blessé. Vos services m'intéressent. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Voilà. Je suis blessé, il me faut un médecin. Ensuite, j'aimerais prendre un bain chaud et laver mes vêtements. Ça coûte quasiment Mais rien, bien donc on prend entendu, tout. cela dit, il va falloir payer comptant. Payons. D'accord, tenez. Je pense que vous allez être comblé. Portez-vous bien. Ah! 8 heures! Je suis si blessé qu'il me faut 8 heures pour faire ça! Ça m'a jamais pris autant! Je suis peut-être jamais. J'ai peut-être jamais demandé à être soigné pour autant de blessures. Là, j'étais vachement blessé. Mais bon. Au moins, ça c'est le c'est déjà le soir. Je vais pouvoir retrouver Hanscapon. Voilà, prends le flambeau allumé de préférence. Bonjour. Monseigneur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin que vous me rendiez un service, Henri. Bien sûr. Bien sûr, Seigneur. Bien. On ne croirait pas comme ça, mais Zdena est une diablesse au dé. Elle m'a mis à poil et je ne suis même pas parvenu à lui enlever le moindre vêtement. Bon, je lui arrache tous ses vêtements alors, hein? Bonté divine! Vous ne pouvez pas faire ça à une fleur si fragile, que j'ai payée au passage. Bien. Alors, Ouais, il faut que voilà. vous battiez Zdena au dé. Mais non, c'est ça que je Et voulais aussi faire, hein. être le seul ici avec les fesses à l'air. Et puis diable, pourquoi pas? Je crois qu'elle est diablement chanceuse. Alors, hop. Oh, il n'y a pas l'épée. Elles valent tellement ces bottes. Bon, j'ai récupéré la clé, je crois que j'en aurais besoin. Il n'y a pas l'épée. C'est fou. Avant, il y avait une épée, l'épée de Saint-Georges, qui était trop bien dedans. Et si on jouait au dé? Vous êtes sûr? Qu'est-ce que je vais faire ici avec deux hommes nus? Ah, alors ce qu'on va faire. Attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. Je préfère enfiler quelques couches de vêtements en plus. Je vous attends, charmant garçon. Merci, merci. Au revoir. Hop, on va. En fait. Ce que je voudrais surtout faire, c'est sauvegarder. Comme ça, si j'ai des problèmes avec cette quête, ce qui m'est déjà arrivé, je Et pourrais si on joue revenir au dé? au début. Vous êtes sûr? Eh bah, ouais, je suis sûr et certain. Voyons voir. Portez-vous bien.
Lorsqu'on quitte le dialogue, parfois ils disent portez-vous bien alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Hé hé! Confirmé. Vous avez une âme courageuse pour vous mesurer à moi. Je n'ai pas pour habitude de perdre. Bah, il va falloir vous résoudre à perdre, madame. Alors, relançons. J'ai rien d'intéressant. J'aurais peut-être pu chercher à avoir un 2. Relançons. Ah, c'est bon. 5, 5, 5. Passons. 650. Je crois que vous n'êtes pas aussi fou que vous en avez l'air. C'est ce qu'on va voir. J'espère qu'elle va perdre. Pas de bol. Ouais, elle a perdu. À moins qu'elle fasse 1400 en un coup, je pense pouvoir m'en sortir. 1, 2, 3, 4, 6. Le truc, c'est que si... Non, de toute façon, je peux pas garder les dés. On va garder celui-là et on va relancer. Faut que je fasse la suite en un coup. Je peux pas garder des dés pour faire une suite après. Enfin, je crois pas en tout cas. Relançons. J'aimerais un peu mieux que 200. Je pouvais avoir 250 si je m'arrêtais. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, il me reste plus que 400. Mal joué. Mais je suis fier de vous quand même. Ce n'est pas ce que j'appelle avoir pris un bon départ, n'est-ce pas? Votre réputation vous précède, mais vous n'allez pas l'emporter. Elle m'a tué, elle a fait une suite. Elle a une de ses chances quand même, faire une suite. Il y a un moment, faut pas abuser. Bon, passons. Je fais que 400. Tiens, tiens. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ça. Il nous regarde jouer pendant ce temps-là, lui. Problème à ces satanés dés. C'est la faute des dés. Si vous aviez un dé pour être pipé, un dé pipé pour être malchanceuse, là je dirais pas, mais. Alors, relancer. Allez, je voudrais 3 dés identiques. L'idéal ce serait 4. Vous oh! Regardez cette chance. Elle a eu 3-1. Non, je n'ose pas. Ah. Oh non, il manque le 3. Sans le 3, j'avais une suite. Enfin, avec un 3 à la place d'un 2, j'avais une suite. Faut que je fasse beaucoup là, j'ai beaucoup de retard. Et je saute. Quoi? Miséricorde. Je préfère ne pas regarder ce supplice. Oh non. Pas de chance, messieurs.
J'imagine que maintenant, vous désirez que moi aussi, je retire mes habits pour vous tenir compagnie. Eh bien, maintenant que vous en parlez... Désolée de vous décevoir. Mais moi aussi, j'ai besoin de dormir parfois. On va charger la partie plutôt. J'ai envie de voir ce que ça fait si on gagne. Allez, charger partie. C'est en odeur de sainteté. J'ai entendu des gens qui disaient qu'il l'avait battue. Mais elle a une de ses chances. Et si on jouait au dé? Vous êtes sûr? Qu'est-ce que je vais faire ici avec deux hommes nus? Voyons voir ce que vous valez. Au revoir. Elle m'a encore dit au revoir. Alors... Sainte Barbara, guidez ma main. Prenons pas trop de risques, c'est mauvais, mais bon. Tiens, je ne m'attendais pas à ça. Elle a eu 3-6. Elle a eu 3-6. À vous maintenant. En un jet de dés, elle fait la moitié du score qu'il faut. Plus de la moitié. Oh là 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 là. Ah ah. Relançons. Pitié que ça marche. Non! J'ai peur de les casser. C'est ce qu'on va voir. Alors à sa place là je marquerai, mais elle va sauter là. Oh, je m'arrête là. Ah. J'aurai le 5 moi. On relance. J'ai besoin de beaucoup plus de points que ça. Il lui manque plus que 300. Je sais pas le choix là. Il faut que je fasse beaucoup si je veux gagner. Mais je risque de sauter. Voilà. Vous ne croyez pas que vous auriez eu plus de chance en vous rappelant de lancer le deuxième dé? En me rappelant de lancer le deuxième dé. Ce n'est pas ce que j'appelle avoir pris un bon départ, n'est-ce pas? Ouais, mais bon. Pourquoi? Pourquoi la lumière, elle s'en va? Ce qui est plus tard, peut-être. Je vais encore y perdre ma chemise. Oh! Vous auriez eu plus de chance en vous rappelant de lancer le deuxième dé? Cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, est-ce qu'elle est chanceuse? C'est fou! Ça fera l'affaire.
Ça fera l'affaire, petit 500. Et moi j'ai 400 sous la main. Hé hé. Et non, et je saute. Miséricorde. Je préfère ne pas regarder ce supplice. C'est ce qu'on va voir. Je sais pas si elle joue mieux ou si elle a juste plus de chance. Je sais pas si je joue bien en fait. Je pense, parce que généralement je gagne, mais elle. Sainte Marie. Ah. Sainte Marie, mère de Dieu et de notre de mon côté. Ça vaut vraiment pas grand-chose les 200. On va juste prendre le 1. C'est le pire qu'on puisse faire 3-2 parmi les 3. Parmi les 7 3. Ah oui non, gardez le dé plutôt. J'ai pas appuyé sur les bonnes touches. Marqué et passé. Ha 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 C'est ha ha. mal joué, mais je suis fier de vous quand même. C'est ce qu'on va voir. Devrais-je pas? Non, je n'ose pas. Et voilà, j'ai gagné. Oh là là! Enfin un véritable adversaire. Il va sans dire que vous savez que je vous ai laissé gagner. Hein? Ce qui est sympa, c'est que c'est toujours nous qui commençons. Allez, une petite série de 3-1, ce serait parfait. On relance, on n'a pas encore beaucoup à perdre. Non, pas celui-là. Passons. J'aurais pu prendre le Tiens, risque tiens, de voir je jouer ne le m'y dernier. attendais pas à ça. J'avais une chance sur 3 que le dernier ça se fasse un 5 ou un 1. Et dans ce cas-là, j'aurais marqué les points et j'aurais pu recommencer la série. C'est ce qu'on va voir. C'est ça. Elle prend le risque quand tant qu'elle a encore 2 dés. Je n'y crois pas. Mais elle peut perdre. Moi, généralement, je prends pas le risque quand il me reste 2 dés. 5, 5, 1, 1. Je peux faire 300. On va plutôt relancer. On va s'arrêter là. On est à Je 800. crois que vous n'êtes pas aussi fou que vous en avez l'air. Les petits trucs. Ah oui, je vois. Ah oui, non, mais là. Là, faut pas abuser. J'ai C'est jamais été elle fait de pour vous suite, moi. humilier, pas vous. Bon, bah, tant pis. Je voudrais bien faire trompette également. Ôtez donc vos vêtements et sautez dans le bain. J'ai déjà plus rien sur moi. D'accord, pourquoi pas. Mettez vos affaires dans le coffre. On avait aussi une option, entrer dans le bois C'est tout l'heure de la habillé. rêve. Je voudrais pas piétiner un membre vital. D'accord, attendez un instant et je vais me lever.
ça fait du bien. Ne vous vexez pas, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui en avait autant besoin. Il y a des bouses de vache encore moins odorantes. Ah ouais, alors là, c'est pas très très adapté. Je me suis baigné juste avant de venir. Vous savez vous amuser, ça ne fait aucun doute. Tenez, buvez. Ce n'est pas un cru de grande qualité, mais ça devrait faire l'affaire. Non, merci. Ce n'est pas mon genre, mais merci, Seigneur. Que vais-je faire d'un gars sobre ? Cessez d'être ennuyeux et buvez un coup. Bon, d'accord. Ah bon, donnez-moi ça. Voilà comment il faut s'y prendre. Nous avons le même état d'esprit. Alors c'est comme ça que vous récupérez de vos blessures. Avec de l'alcool et des prostituées. Évidemment. Comment pourrais-je faire autrement? Dites-moi, Henri, quelles sont les nouvelles? Ne vous souciez pas de moi. Et vous alors? Vous vous êtes remis de vos péripéties à la chasse? Je vais plutôt bien, Henri. Ces bains sont exactement ce dont j'avais besoin. Et Zdena, elle est ravissante. Clara, apporte du vin pour ces messieurs avant qu'ils ne se fâchent. Vous savez quoi, Henri? On ne peut vraiment pas se permettre de boire cette pisse du pays. Bah, si vous le dites, je veux bien vous croire. Ma servante préférée de toute la terre. Mais admettez-le, ma chère. Le vin que vous avez ici est pitoyable. Qu'est-ce qui cloche avec le vin? Je préférerais encore boire l'eau du bain. Allez donc me chercher un meilleur truc. Mais où? Ah, je sais! Sous l'hôtel de ville, dans les caves. Il y a d'excellents crus que le seigneur Anouche nous avait achetés à l'époque. Et vous voulez que j'y aille dès à présent? Je vous en serai infiniment reconnaissant. Il n'y a pas meilleur allié qu'un noble qui vous est redevable. J'en suis navré, mais je n'ai vraiment pas le temps pour ça maintenant. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter du vin des bains? Il n'en est pas question! Je veux boire mon sylvanaire rouge de la cave, même si ça doit vous prendre une semaine. Pendant ce temps-là, nous, on va trouver un moyen pour se divertir. D'accord, je vais vous l'apporter. Vous êtes un chic type. Bonne chance alors. Il n'y a vraiment pas son épée en fait. Ça craint. Ils l'ont peut-être retiré. C'était un peu simple d'avoir une épée comme ça. Cheval. Alors j'ai pris les clés dans son coffre, sans lui demander. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs la première fois que j'ai fait cette quête aussi. En théorie, il faut lui demander. Mais comment vais-je avoir accès au. Au cave à vin? Où est-ce qu'on entre? Là. Attendez, je vois rien. Ah, c'est pas là. Là, c'est la prison. Non, c'est pas en haut, évidemment.
peut-être là. Crochetage très difficile, on oublie. De ce côté-là, paraît-il. Allons voir. Crochetage. Ah, j'ai les clés là. Oups. Le garde, il veut pas que je rentre. Sainte Mère de Dieu. Qu'est-ce que c'était ? Hey, vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Damnation. Comment me suis-je retrouvé ici ? Je me suis à nouveau perdu. Dégagez d'ici, pauvre ivrogne. Très bien, je m'en vais. Hey, vous n'avez rien à faire ici. On y retourne. C'est là. Je vais fermer la porte. Voilà votre vin. Au fait, le vin que vous m'avez envoyé chercher. Vous l'avez eu ? Et comment que je l'ai ? Vous vous êtes introduit dans la cave de l'hôtel de ville ? Évidemment que je vous l'ai obtenu, en espérant que ce vin en vaille le détour. J'en crois pas mes yeux ! Vous êtes vraiment entré par effraction dans la cave ? Vous êtes totalement fou ! Je peux le réprimander. Mais monseigneur, c'est ce que vous vouliez. Tout Jésus, Henri. On peut facilement vous embarquer dans n'importe quelle histoire. Bon, voyons si ce vin est aussi délicieux que vous l'insinuez. Vous attendez quoi ? La bénédiction du prêtre ? Plus vite ! Portez-le à vos lèvres. Ah.
Voilà enfin ce que j'appelle du vrai vin. Du Sylvaner rouge. Rien à voir avec la pisse d'âne qui servent dans cet établissement. Au demeurant charmant. Ça se sent dès la première gorgée. Pas vrai, Henri? Vous avez raison, monseigneur. Du Sylvaner rouge. Son goût est incomparable. Ça suffit maintenant. Je ne suis pas comme les autres filles. Je sais, Clara. Vous êtes unique, vous. Vous méritez mieux. Vous méritez des fleurs. Quoi? Dites-moi quelles sont vos fleurs préférées. Mes fleurs, de toutes sortes. J'aime les pissenlits, les sauges, les renouées et les coquelicots. Il est vrai que j'apprécie tout particulièrement les coquelicots. Vous avez entendu ça, Henri? Quoi? La demoiselle demande des pissenlits, des sauges, des choux? Non, pas ça. Non, des renouées et des coquelicots. Quoi? Vous voulez que j'aille cueillir des fleurs? Maintenant? Je sais. Je vous fais encore travailler. Mais si vous apportez ces fleurs, je vous donnerai... 60 de gros chênes. Tant que ça? D'accord. Je vais y mettre. J'ai plus qu'à aller cueillir ces fleurs. Qu'est-ce qu'elle a dit? Des sauges, un autre truc et... J'hésite à lui voler son équipement. Qu'est-ce que serait un bouquet sans rose? Il y en a dans le jardin du château supérieur. Jardin du château supérieur. De toute façon, on retourne au château. Désolé, monsieur le garde. Bon, alors j'ai beaucoup galéré pour le trouver. La première fois. Mais il est là. Et j'ai aussi beaucoup galéré après l'avoir trouvé, puisqu'il faut non seulement cueillir des roses, voilà, mais aussi prendre plein de fleurs. Alors que elle demande plusieurs fleurs, mais je pensais que quelques coquelicots et des roses ça suffirait, mais non, il faut plein de fleurs.
Donc si vous faites la quête, pensez bien à accueillir plein de fleurs dans ce jardin. Oh. Voyons, Henri, tu n'es pas poli. Voilà. Que vous fichez ici? J'aimerais avoir un peu d'intimité si ça vous dérange pas. Je suis venu chercher ma donzelle. Eh bien, ce n'est pas moi que vous cherchez. Je ne suis la donzelle de personne. Allez donc voir ailleurs si j'y suis. Que faites-vous avec ma Clara, sale connard? Archie, arrête, il ne fait que se baigner. Il se baigne, hein, dans cet endroit où il n'y a que des catins à part toi. Archie! Toi aussi, tu te prostitues maintenant? Archibald, ça suffit! Archibald! Fermez votre bec, j'en ai pas encore fini avec vous. Non, je peux te jurer que cet homme n'a pas posé ses mains sur moi. En fait, elle dit la vraie vérité. Enfin, à peu près. Non, il ne s'est rien passé, rien du tout. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je vais d'abord m'occuper de cet enfoiré. J'aimerais bien voir ça, tête de cul. Tête de cul. Ah, il me tue. Putain de merde. Hey. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Baston. Bonne manière. Dans le crâne. Vous essayez de noyer un aristocrate? Oh merde. Fichtre. Monseigneur, je ne savais pas. Hors de ma vue. Filez avant que je me souvienne que je peux vous faire pendre. Votre Altesse, je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Je m'en excuse. Archie, attends. Oh. Ouh. J'ai failli me faire noyer par tête de cul. Eh bah. Oh. C'est le bain le moins relaxant que j'ai pris toute ma vie. Merde, je me sens comme si j'avais bu toute la mer Baltique. Oh. Vous allez crever à force de boire. C'est bien vrai. Est-ce qu'il reste un peu de vin? Vous êtes complètement cinglé. Vous allez continuer? Évidemment. Ne me dites pas que vous avez pas envie de prendre un verre après tout ça. Hein? Ah, je suis au bain. Et je suis plus ivre que tout à l'heure. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode.